Pour enchaîner avec l'écule du cargo, en fait, ma thèse, son titre, c'est l'écule du cargo, mythe et rationalité en anthropologie. Donc, on voit bien que mon projet était épistémologique. Donc, mythe et rationalité, c'était le sous-titre, mais en fait, je dirais c'est le titre. En fait, l'écule du cargo, bien sûr, ça attire plus le regard et c'était l'objet, mais c'est finalement mythe et rationalité en anthropologie. Je me suis posé la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, quelle est la place du mythe et quelle est la place de la rationalité en anthropologie? Et au fond, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, le mythe n'est pas là où on pense, et de même, la rationalité n'est pas là où on pense, n'est pas celle qu'on pense. À savoir que les papous étaient aussi rationnels, il y a les limites magiques, dans la mesure où c'est la pensée symbolique qui les faisait agir. Donc il n'y avait pas lieu d'opposer l'un à l'autre. Donc ils étaient rationnels, mais c'est une forme de rationalité qui passe par la symbolique et par la croyance en tant que mode d'action. Donc pour moi, ça va être très important de suivre cette piste que je vais développer, que je vais approfondir sur d'autres terrains et à partir d'autres thématiques. La croyance comme mode d'action selon... Selon Michel de Certeau, bien sûr. Hein. Donc voilà, enfin bien sûr, j'allais dire tout se tient, oui, effectivement, par la force des choses, tout se tient. Donc mythe et rationalité, ça m'a renvoyé à l'idée que le changement social, d'abord, est propre à toutes les sociétés. C'est une question de degré, la croyance, elle est propre à toutes les sociétés, y compris la nôtre, quoi, parce que c'est quoi d'autre, en fait, la croyance au développement, la croyance au progrès, et puis aussi cette croyance de croire que les autres sont irrationnels. C'est ça, au fond, qui, à un certain moment, m'a beaucoup... surpris parmi les anthropologues, comment des anthropologues qui sont censés être eux-mêmes rationnels puissent développer des théories si peu rationnelles sur la pensée des autres. Et dans ce sens-là, on peut retrouver finalement Lévi-Strauss, à savoir toutes les sociétés sont rationnelles, enfin, qu'il n'y a pas une société primitive par des définitions ou qui relèverait d'une pensée illogique. D'ailleurs, la même chose que Freud, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de le mentionner, mais en fait, quand même, c'est Freud qui a, en partie, avec Malinowski, réhabilité l'idée du sauvage en nous, quoi. C'est-à-dire que le sauvage est rationnel et on devrait pouvoir penser les choses dans le même mouvement. Donc voilà, là aussi, pour moi, c'était une source, l'idée que la psychanalyse, tout comme le surréalisme, tout comme l'anthropologie structurale, sont à l'origine de la réhabilitation, en fait, du sauvage ou de l'homme sauvage en tant qu'être rationnel, quoi. Et vraiment, l'écoute du cargo m'en a donné une illustration éclatante. Donc voilà, donc c'était un souci épistémologique, un souci réflexif, qui devait arriver à un moment ou à un autre. Et je me suis posé la question, comment se fait-il finalement que cette réhabilitation de la pensée magique et notamment du mélanésien ne s'est pas faite plus tôt, quoi. Enfin, qu'il a fallu vraiment tout ce travail. Bien sûr, je suis loin d'avoir été le premier, mais moi je n'ai fait que systématiser finalement tous ceux qui m'ont précédé. Et on en parlait tout à l'heure, moi j'ai la chance d'avoir des prédécesseurs comme Belshaw, comme Burridge, comme Lawrence et bien d'autres, enfin, qui m'ont permis d'approfondir et d'utiliser aussi leur description. Enfin, s'il n'y avait pas ces descriptions, s'il n'y avait pas ces analyses, je n'aurais pas pu faire la réinterprétation que j'ai faite. Donc, voilà. Ça nous fait déboucher sur... J'allais dire un autre terrain, à la fois qui relève du proche et du lointain. Donc, de nouveau, la question se pose, mais qu'est-ce que le proche et qu'est-ce que le lointain? Qu'est-ce qui est l'exotique et qu'est-ce qui est moi? Puis, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dehors? Je veux parler du terrain des oasis tunisiennes, des oasis du sud tunisien.
Les Alpes, la Papouasie. Si je ne me trompe pas, c'est le troisième terrain que j'ai choisi. Et de nouveau, par souci à la fois intellectuel, souci épistémologique, souci aussi personnel, quoi. Enfin, parce que on peut dire que le choix des terrains, bien sûr, il y a toujours les hasards des rencontres, les hasards des. Enfin, les circonstances, mais quand même, c'est des choix qui sont plus ou moins choisis, qui sont plus ou moins qui ont un écho, quoi, avec mes expériences et avec mon parcours. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tunisien d'origine, mais d'ailleurs, rien que cette idée de dire tunisien d'origine, c'est quoi l'origine? Donc, bon, voilà, je suis né en Tunisie, j'ai vécu là-bas, j'ai beaucoup appris, d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai appris l'ouverture sur l'histoire, l'ouverture sur l'anthropologie, donc je ne me suis jamais enfermé dans quoi que ce soit. Bon, il se trouve que je me suis trouvé à un certain moment en Suisse, j'y reviendrai tout à l'heure, par exemple, par rapport à la question de la sécularisation du voile et tout. Mais bon, je rappelle d'abord, en fait, peut-être que, étant donné que j'ai eu une formation française, disons scolaire, que j'ai fait un bac français tout en étant en Tunisie, que j'ai suivi un parcours. À l'époque, même si on faisait un parcours dans un lycée tunisien, la culture quand même restait francophone et restait imprégnée par ses valeurs. Donc j'ai été à l'école républicaine. Bien sûr, j'ai été critique par rapport à l'idéologie coloniale, mais quand même, ça faisait partie de mes valeurs, quoi. Enfin, c'était ça, le progrès, l'universalité, toutes ces ouvertures. J'étais en France. Bon, comme je l'ai dit, il y a eu ce moment de mai 68. Peut-être qu'il faut revenir rapidement là-dessus pour situer quand même l'importance de cet événement et aussi l'importance que ça a eu pour moi, avant de revenir donc sur les autres terrains, et notamment le retour en Tunisie. Donc, mai 68, ça m'a permis, au fond, de vivre une expérience, comme tant d'autres et ceux de ma génération. J'avais 20 ans pile, 19 ans, 20 ans, une expérience incroyable, quoi, c'est-à-dire d'un changement social. On avait l'impression, en fait, que c'était un phénomène qui a été presque commandité, quoi, c'est-à-dire. C'est un phénomène qui, comme tous les événements, en fait, c'est un imprévu, c'est un ensemble d'éléments, c'était quelque chose d'inattendu et qui est apparu, on ne sait pas très bien comment, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été préparé, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une élaboration intellectuelle, on a parlé de Foucault avant, les années 60, le structuralisme, bien sûr, c'est un phénomène, c'est un événement qui ne venait pas de nulle part. Mais quand même, c'était une rupture. C'est une rupture, et c'était d'autant plus une rupture que c'était inattendu. Et c'était d'autant plus inattendu que on était dans un mouvement libertaire qu'on ne pouvait même pas soupçonner, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas le rêver, quoi. C'est-à-dire même si j'avais fréquenté les surréalistes, si on avait fréquenté juste avant mai 68, les mouvements les beatniks et autres, enfin, alternatifs, enfin, de la côte ouest et tout. Bien sûr, tout ça, ça se préparait, mais l'événement en lui-même a été un événement qui a surgi de nulle part. On ne sait pas très bien, et d'ailleurs on ne sait pas toujours très bien en fait comment expliquer un phénomène révolutionnaire entre guillemets, quoi. Enfin, je ne veux pas du tout entrer dans ce genre de qualification, révolution ou pas, mais 68, ce que c'est, etc. Mais c'est un phénomène en tout cas qui a beaucoup frappé les esprits et qui a frappé beaucoup ma génération, où tout d'un coup il y a eu la possibilité au fond d'une parole complètement ouverte. Parfois à l'excès, quoi, bien sûr. Mais bon, mais où on avait l'impression, en fait, que on pouvait non seulement rêver le monde, mais le transformer. Et franchement, ça nous changeait beaucoup par rapport à la conception politique classique qu'on avait, où on était complètement pris dans la rigidité des structures, la rigidité des hiérarchies. Puis moi, je me rappelle très bien, finalement, quand dans
quand on était des militants politiques et tout, c'était vraiment laborieux, quoi. Puis c'était très dirigiste, et puis c'était très autoritaire. Vraiment, enfin, disons, c'était... Bien sûr, on y croyait, on était pour l'émancipation, mais en même temps, c'était quand même... On était dans le paternalisme, on était dans l'autoritarisme, etc., même de gauche, quoi, enfin, ou même d'extrême-gauche. Et mai 68 a été quelque chose qui a ouvert des perspectives incroyables, et tout d'un coup, effectivement, ben, voilà, tout d'un coup, les... tout d'un coup, on pouvait mettre en pratique, ben, je sais pas, un poème, mettre en pratique ce qu'ont pu déclamer les surréalistes, mettre en pratique une pensée comme celle de Bataille. Tout d'un coup, il y a l'antique psychiatrie, il y a tous ces mouvements, toutes ces pensées qui ont émergé. Donc là aussi, c'est quand même fut une époque très, très, très importante et qui a permis aussi d'en finir avec les comment dire avec les oui, l'académisme, quoi, sous quelque forme que ce soit, et notamment même dans le milieu intellectuel, quoi. Enfin, quand même, bon, je me rappelle que le structuralisme et tout, on était un peu pris dans une forme d'académisme, et là, ça nous a permis, en tout cas, moi, ça m'a permis un peu de nous libérer, et puis de voir les choses de façon beaucoup plus à la fois, comment dire, plus inventive, quoi. Voilà, plus inventive, plus créative et moins culpabilisante. C'est vrai qu'on avait un rapport au savoir, enfin, qui était un peu bon. Là, voilà. Non pas que je veuille faire un portrait dithyrambique ou un portrait naïf, en fait, de mai 68, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme un bouillonnement intellectuel et un bouillonnement artistique. Qui va finalement alimenter un peu ma réflexion anthropologique qui l'a même conforté. Voilà. Je reviens à mon terrain en Tunisie, et là, ça s'est passé, bien sûr, bien plus tard, en 1984. 85, donc après avoir fini ma thèse et mon travail, enfin, sur les cultes du cargo, et j'avais pas encore complètement fini le terrain dans les Alpes. Ça a continué pendant longtemps, ce terrain sur les Alpes, puisque j'accompagnais avec Gérald Berton, on accompagnait les étudiants, donc c'était un terrain un peu de longue haleine. Enfin, il a duré quand même presque 7-8 ans, quoi. Enfin, on faisait tout le temps des retours avec les étudiants. Et j'ai décidé, après quand même l'étude du cargo, la thèse, et après avoir publié un certain nombre d'articles sur les Alpes valaisannes, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de retrouver la Tunisie après quoi, depuis moi, j'ai quitté la Tunisie en 67-68, donc 15 ans après, ou peut-être même 20 ans, de retrouver la Tunisie, mais autrement, c'est-à-dire à travers justement un terrain anthropologique, un terrain dans lequel je peux prendre de la distance par rapport à. Au vécu émotionnel que j'ai pu expérimenter en Tunisie à cause des problèmes politiques que j'ai eus, mais à cause aussi de l'insatisfaction que j'ai toujours eu à vivre dans ce pays, des frustrations. Et je me suis donné... parce que ça c'était pas du tout évident, en fait. Je me suis donné le défi, bah, d'aller faire du terrain dans un pays que j'avais quitté depuis longtemps et qui, finalement, pour lequel je n'avais plus tellement d'affinité, j'avais plus tellement envie de retourner. Et mais quand même, je me suis fait une sorte de défi en me disant, c'est peut-être le moyen
de renouer avec un pays ou avec une histoire avec un pays ou une histoire avec lesquels je n'ai pas tout réglé, quoi, en fait. Dans la mesure où j'étais parti pour des raisons politiques, dans la mesure où je me suis investi dans d'autres espaces, à la fois intellectuels et politiques, en me disant, bah voilà, c'est le moyen de retrouver ce passé. Et la meilleure façon de le retrouver, c'est de prendre de la distance ethnographique ou anthropologique, c'est-à-dire je vais trouver le moyen de faire une recherche. Mais dans un premier temps, j'avais pas une idée précise, quoi, dire par quoi commencer. Bien sûr, rien ne m'intéressait du point de vue de la sociologie du développement. Comme je le disais tout à l'heure, c'était encore prégnant. Enfin, donc, il fallait toujours expliquer si le pays est moderne ou pas, s'il est suffisamment avancé, le problème des élites. Moi, ça ne m'intéressait pas. Enfin, depuis longtemps, je me suis éloigné de ces problématiques. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais été proche de ces problématiques. Et quand j'y suis retourné en 84-85, j'étais vraiment un anthropologue confirmé, et puis j'avais plusieurs terrains, et notamment un terrain exotique, un terrain moderne, entre guillemets, enfin, en tout cas, les Alpes. Mais je voulais faire un travail qui sort des sentiers battus, et je me suis dit, pourquoi ne pas travailler, non pas pour faire de l'exotisme ou de trouver des structures traditionnelles, ou de retrouver des structures traditionnelles, pourquoi ne pas travailler sur les marges? Je ne vais pas travailler sur les élites, je ne vais pas travailler sur la capitale ou sur les processus de modernité ou de modernisation. Non, je vais travailler sur des structures marginales comme les oasis. Puis d'ailleurs, pourquoi les oasis? Parce que c'est vrai, là de nouveau, c'est peut-être parfois souvent qu'on s'explique ses choix, c'est que ça m'a toujours fasciné, c'est-à-dire c'est quoi une oasis? Moi je ne savais pas quoi. Une oasis, c'est un espace clos. Bon, mais ça veut dire quoi un espace clos? C'est-à-dire est-ce que c'est purement physique et au-delà donc des sources et des palmeraies, au-delà il n'y a plus rien, et puis une fois qu'on est dedans, c'est quoi? Vraiment ça me fascinait. C'est vrai qu'il y a une dimension quand même à la fois d'exotisme et à la fois une dimension quand même exotique, c'est-à-dire quelque chose qui me sort un peu de ce qui est connu. Donc j'avais rien lu au préalable sur des oasis. Je savais juste que mes parents étaient vaguement originaires d'une oasis du sud tunisien. D'ailleurs, une oasis un peu particulière, parce que c'est une oasis pas de palmiers, une oasis d'oliviers, parce que dans l'imaginaire des oasis, on pense aux palmiers, quoi. Enfin, alors que là, c'est d'abord une oasis de montagne, et puis ensuite une oasis d'oliviers, quoi. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une oasis qui a une histoire très longue et qui remonte à l'Antiquité, puisque c'est une oasis qui est attestée déjà à l'époque romaine, et d'ailleurs, dans cette oasis, il y a des répartiteurs d'origine romane, quoi. Enfin, donc les Romains sont passés par là, peut-être même avant les Romains, quoi, parce que c'est connu que dans des pays d'Afrique du Nord et même au Moyen-Orient, l'hydraulique a été très importante et donc des systèmes extrêmement sophistiqués. Mais bon, disons, il y a un répartiteur, c'est pas faux ce que je dis, d'eau et répartition d'eau qui remonte à l'époque romaine et c'est attesté. Alors bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'y suis arrivé, j'étais un peu fasciné par l'antiquité de la chose. Donc de nouveau, on rencontre l'histoire. Bon, moi je pensais arriver dans un espace clos, dans un espace où les choses étaient bien délimitées physiquement, géographiquement, voire même aussi socialement. Et peut-être qu'on va l'expliquer plus tard. Je m'aperçois finalement que cet espace qui semble être clos, au fond, il n'a jamais été
clos, où il n'a jamais été fermé, au contraire. Quoi. L'espace oasien par excellence est un espace complètement ouvert, et ouvert historiquement, c'est-à-dire qu'il y a des va-et-vient, il y a un échange. Et quand j'ai commencé à travailler justement sur le système de parenté, on pouvait avoir l'idée que, au fond, on est dans la structure. Non, vraiment, c'est l'exemple même de la structure où tu étais absolument déjà bien mis en place et qu'en dehors de l'oasis, il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a rien d'autre que cette structure qui est là et qui lui donne consistance. Puis en fait, je me suis aperçu assez rapidement que l'oasis n'a d'existence qu'à travers l'histoire, à travers l'historicité. Et plus j'approfondissais l'analyse, plus je m'apercevais, au fond, que ce qui pouvait être considéré comme relevant de la structure relève de l'histoire. Et inversement. C'est-à-dire, s'il y a de la structure, elle est dans l'histoire. Et s'il y a de l'histoire, elle est dans la structure. Et pourtant, a priori, il y a un système lignager qui est complètement fermé sur lui-même, a priori. C'est-à-dire un système d'organisation de l'eau en fonction des lignages. Hein. Et chaque lignage possède un nom, il possède des ancêtres, il possède toute une série d'histoires et d'événements. Qu'en dehors de ces lignages, la société s'arrête là, quoi. C'est-à-dire, en dehors des lignages, l'oasis n'existe plus. C'est-à-dire, c'est là les limites de l'oasis. Mais en regardant les choses de plus près, on s'aperçoit qu'au fond, cette organisation lignagère, en fait, n'est qu'une forme structurale qui permet en fait d'organiser la répartition de l'eau et l'échange en jouant sur la structure et sur l'histoire. Et en fait, l'oasis apparaît comme un monde clos, presque à la limite par ruse ou presque à la limite par nécessité de cohérence. Pour pouvoir, au fond, retenir les choses, retenir les éléments dans leur hétérogénéité, justement. Donc, en fait, c'est un laboratoire continuel d'invention, des réinventions de la tradition. C'est-à-dire, on est dans un espace fermé qui donne l'impression qu'on est dans le permanent et que les généalogies et les lignages ont existé de tout temps, parce que, pour aller très vite, dans l'oasis d'Elxar, là où je travaille, il y a sept lignages qui sont censés être fondateurs, sept lignages qui sont censés avoir toujours été là, sept lignages dont certains remonteraient même à l'époque romane. C'est vraiment la permanence, quoi, la permanence de la structure. Hein, et qu'en dehors, l'histoire, on ne connaît pas ou elle n'est jamais apparue. Alors qu'en fait, ces structures ne sont que des reconstructions continuelles des élaborations continuelles dont le contenu change complètement, change tout le temps. C'est-à-dire, il y a une telle fluidité, il y a une telle circularité, mais qui prend toujours des formes structurales ou qui des formes qui donnent l'impression d'une clôture. Et c'est vraiment une des grandes découvertes, enfin des grandes découvertes, en fait, un élément qui m'a énormément frappé, c'est ça, c'est cette capacité finalement de traduire la structure tout en intégrant l'histoire. Pourquoi ? Parce que finalement, toutes ces généalogies que j'ai essayé de reconstruire, elles sont des généalogies complètement inventées, complètement contextuelles, qui ont une finalité ou une fonctionnalité en rapport avec la répartition de l'eau. Donc, ce que j'ai cru dans un premier temps, que c'est des généalogies qui remontent très loin et que ces familles sont là depuis longtemps, puis qu'elles retiennent leur héritage à la fois de terre et à la fois de part d'eau, c'est les sociétés les plus ouvertes au monde. C'est des sociétés où ça circule tout le temps. Pourquoi ? Parce que, pour la bonne raison, et ça se découvre au fur et à mesure, que la terre comme l'eau se vendent. Hein. Et donc, il y a une mobilité, au fond, très forte de l'eau et de la terre qui font que, au fond, on ne peut jamais avoir une structure complètement fermée sur elle-même, complètement cohérente et en dehors de l'histoire. Mais au contraire, la structure, elle est là pour permettre justement cette circulation, pour permettre cet échange. Donc voilà, ça c'est quand même une découverte très importante qui m'a de nouveau plongé dans
le changement social, dans le changement social et dans la notion de structure, d'histoire, de permanence, etc. Voilà, ça c'était un élément important que je pourrais compléter, enfin qui sera complété par la manière dont les Oasiens élaborent et réélaborent leur mémoire, leur généalogie. Donc c'est une fabrique généalogique continuelle. Et c'est une fabrique généalogique qui permet justement aux nouveaux venus de s'adapter et donc de reconstituer leur origine ou leur généalogie en se soumettant au moule généalogique de départ. C'est-à-dire on est toujours dans cette lignage, mais cette lignage, en fait, ce n'est qu'une enveloppe qui permet cette circulation. Donc voilà, de nouveau, pour moi, ça a été un terrain extrêmement important pour saisir la structure sociale, pour saisir les nécessités du système hydraulique, comment en fait on est tenu par ces nécessités, et comment en fait tout cela s'articule à travers une élaboration mémorielle constante qui permet en fait d'introduire l'histoire et qui permet la circulation à la fois des biens, à la fois, comme je l'ai dit, des biens sous forme de pardo ou des biens sous forme de la possession de la terre, mais aussi tout ce qui relève des formes de sociabilité, tout ce qui relève des généalogies et tout ce qui relève aussi de ce qu'on peut considérer comme une sorte de d'une culture oasienne, quoi, c'est-à-dire la poésie, donc toute une série d'élaborations symboliques. Donc voilà, et c'est ce terrain-là qui va me permettre aussi d'approfondir la question par rapport à la question de la mémoire et de l'oubli, c'est-à-dire en fait comment les sociétés s'élaborent en faisant des sélections, en élaborant une mémoire, mais en oubliant une bonne partie aussi. Voilà.